En réfléchissant, je me suis accrochée à un livre, parce que c'est le livre d'un visionnaire. C'est un poète, c'est un homme de théâtre, c'est un homme de... C'est Aimé Césaire, et c'est le Discours sur le colonialisme. C'est un visionnaire parce que ce texte, Discours sur le colonialisme, a été plébiscité même par ses ennemis politiques, parce qu'à l'époque, il était encore communiste. Et même par ses ennemis politiques, tellement il était frappé de justesse. Et quand on le lit aujourd'hui, il a été écrit en 55, enfin, la première publication, en tout cas en 1955, et il disait ceci. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Alors, je ne sais pas, mais je crois que ça s'applique tout à fait au présent. Cette pensée-là, qui n'est pas un jugement, qui n'est pas... C'est une pensée qui amène des chemins de réflexion qui sont extrêmement importants pour ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà.